C'est dans le but de matérialiser les recommandations et résolutions sanctionnant les tête-à-tête Joseph Kabila, Denis Sassou, que les experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo ont démarré ce mardi à Kinshasa les travaux mixtes pour ainsi aplanir les vues sur les questions d'intérêt commun entre Kinshasa et Brazzaville. Après des fortes tensions qui ont caractérisé les relations diplomatiques entre ces deux pays suite aux expulsions massives de plus de 150 000 Congolais par Brazzaville, expulsions émaillées par les violations massives de droits de l'homme dont les Congolais de la RDC sont victimes, les experts statuent désormais sur la problématique des circulations des personnes et de leurs biens, mais également sur la défense et la sécurité. Les conclusions de ces travaux seront soumises au gouvernement de ces deux États pour approbation. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, a encouragé ses experts. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec une délégation d'une nouvelle plateforme de l'opposition nommée Debout Congolais. La sécurisation des frontières de la RDC, les expulsions des Congolais par certains pays africains, les regains des phénomènes Kuluna à Kinshasa et la révision constitutionnelle ont été au cœur de ces face-à-face.